Portée par une association reconnue d'intérêt général et gérée bénévolement, l'école de musique du pays de Charrieux-Belmont rencontre un vif succès. Avec 230 inscrits en 2023, l'école propose un enseignement musical de qualité, inscrit dans le schéma départemental et ainsi reconnu au sein des conservatoires. Pour les enfants de la communauté de communes Charrieux-Belmont, l'apprentissage de la musique apporte une réelle valeur ajoutée. Il stimule le développement des facultés cognitives comme la créativité, la concentration, la lecture, l'écoute et la mémorisation. Des études ont par ailleurs démontré un impact positif de la pratique musicale sur la réussite scolaire. Avec le jeu collectif, en groupe ou en orchestre, l'apprentissage de la musique permet également de développer l'habileté sociale et le sens du projet en commun. Pour tous, l'école crée du lien social entre musiciens et avec le public. Pour le territoire, elle est un vecteur de dynamisme, d'animation et d'attractivité. Pour un enfant ou un jeune, l'apprentissage de la musique est tout à fait intéressant car il y a des analogies dans les processus d'apprentissage. Faire de la musique, c'est s'engager dans une pratique collective dans laquelle on va pouvoir prendre du plaisir, il y aura aussi du respect et ça va permettre de construire ensemble un projet dans lequel on va pouvoir développer des compétences qu'on pourra transposer par la suite dans la société. C'est très important d'avoir une école de musique proche de chez nous. J'ai toujours souhaité que mes enfants puissent se voir proposer une activité artistique. Je trouve que les activités artistiques sont importantes pour leur développement. Ils ont choisi la musique et l'école de musique était présente. Et depuis 3 ans, ils suivent des cours de musique, de batterie et de violon, en l'occurrence à Charrieux. Dans le monde rural, de pouvoir accéder à l'enseignement musical, c'est aussi une équité territoriale. L'école de musique, elle a aussi pour vocation d'animer le territoire et elle le fait depuis quelques années. C'est un vrai vecteur d'attractivité aujourd'hui, mais elle a aussi besoin, je pense, du tissu économique local pour pouvoir la soutenir, pour qu'elle continue à offrir cet enseignement de qualité et peut-être d'attirer vos futurs cadres, vos futurs ouvriers de demain dans vos entreprises. Le cercle vertueux d'un territoire dynamique, ça, c'est tout ce qui génère une attractivité d'un territoire. Soutenir l'école de musique, c'est soutenir un territoire, c'est soutenir Charrieux-Belmont Communauté. L'école de musique du pays de Charrieux-Belmont propose des cours individuels et collectifs et des ateliers pour pratiquer la musique à plusieurs. Elle organise aussi des concerts, auditions et événements culturels et musicaux hors les murs. Avec un nombre d'élèves en forte croissance, un financement apporté pour 60% par les adhérents et de 35% par la communauté de communes de Charrieux-Belmont et le conseil départemental, et un budget de fonctionnement dédié à plus de 97% à la rémunération de ses 16 enseignants, l'école de musique du pays de Charrieux-Belmont souhaite poursuivre et développer son activité tout en la maintenant accessible au plus grand nombre. Pour cela, l'école a besoin de vos dons. Soutenez l'école de musique du pays de Charrieux-Belmont. Avec l'Avenir Focus, on a donc décidé de répondre favorablement à l'appel aux dons qui a été fait en avril 2023. On a répondu favorablement déjà parce qu'on est plusieurs dans l'entreprise à avoir des enfants et on connaît très bien les bienfaits que peuvent avoir cette activité en termes de mémorisation, en termes de lien social. Je suis très attaché au territoire pour y avoir habité plus jeune. C'est vraiment un atout pour la région et pour les citoyens qui y habitent. Donc c'est une vraie chance qu'il faut préserver. Et puis deuxième point aussi, à Avenir Focus, on réalise des études de marché et nous avons des clients dans la région. Donc à ce titre-là, ça nous paraissait aussi intéressant et peut-être qu'on donnera, je l'espère, des idées à d'autres entreprises.